Salut tout le monde, c'est Inafit et on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play, la Redstone pour les nuls. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va faire une machine pour dupliquer des blocs, donc toujours en 1.7.2, hein, vous pouvez le voir. Des blocs, n'importe quel bloc, comme des blocs de diamant par exemple. Alors pour ceci, vous avez besoin d'un peu de Redstone, d'un piston, un levier et un comparateur. Alors on va tout de suite commencer, je vais mettre un piston ici. Avec de la redstone. Ensuite je mets un comparateur. J'appuie une fois dessus pour qu'il y ait la petite torche qui s'allume. Ensuite on le relie et on fait une espèce de petite boucle. Et avec le levier on l'active. Là vous voyez que ça fait une sorte de boucle. D'ailleurs je l'ai fait un peu loin. J'aurais pu le rapprocher un peu. Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. Attendez, je me suis trompé. Ah mince. Oh, je suis emboulé moi. Il faut toujours que je m'écarte d'un comme ça. Oh là là. Hop. Donc, j'ai oublié de dire. Voilà, on active. Ça peut pas marcher comme ça. Voilà. Et donc, avant d'activer, je vais poser mon bloc de diamant. J'ai aussi besoin d'autres blocs comme bloc de terre. Je vais aussi vous prouver que j'y arrive en survie. Donc je l'active. Là vous voyez le bloc de diamant. J'essaie de cliquer ici là entre les... Je vais baisser un peu le son des... Et voilà, du piston. Donc là pour le coup ça peut marcher mais ça dépend. Il faut être... Il faut bien réussir son coup sinon... Wow. Faut bien viser, faut bien se placer. Là vous avez vu, là ça me les a dupliqués. Hop, je me place bien. Et voilà, dès que ça marche plus, hop ouais, ça fait des trous avec la terre. Je vais l'arrêter, comme ça je peux enlever ce bloc. On doit toujours avoir un bloc de diamant collé ici. Et donc voilà, hein, je vais mettre en game mode 0. Pour vous prouver que je peux... Oups. Que je peux le faire en survival. Alors. Hop. Faut bien viser. Ah non, je me suis raté. Hop. Ah mince, je me suis encore raté. Je me remets en game mode 1. Je vais me redonner d'autres blocs de diams. Comme ça j'aurai... Hop, je réactive. Ah mince, j'ai oublié d'enlever ça. Hop, alors j'en pose un. J'active. Je vise bien entre le bloc et le piston. Ah mince. C'est dur de viser des fois. Et ça duplique tous vos blocs. Mais... Je me mets dedans. Ça va marcher. Hop. Et là vous voyez que ça me les duplique. Si on se met en F5. Ah non, ça marche pas. C'est qu'il y a déjà trop de blocs. Je vais en casser un peu. Ou pas d'ailleurs. Vous voyez quand même que son même avec son... Ça m'en a dupliqué pas mal. Pardon. Donc je retente. Hop, faut bien que je vise. Sinon ça ne marche pas. Vous voyez là que ça a marché, ça m'en a donné 3. 4. Une fois qu'on est bien placé, on a juste à rester appuyé à l'infini. Ça nous donne plein de blocs. Vous voyez quand même, jusque là, j'en ai dupliqué pas mal. Mais arrivé à un certain moment, on est obligé de les enlever. Parce que le piston, il ne peut plus les pousser, donc on ne peut plus les dupliquer.
Voilà, donc usine très très simple à faire, il suffit d'avoir juste un petit comparateur, donc ça c'est assez simple. Un piston collant aussi, donc si vous n'avez pas de slime, ben, vous devez en chercher, hein, ou alors vous trouvez un chunk à slime en dessous de la couche 40. Et bah du coup, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!